Salam alaikum, dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice suivant. Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3 jusqu'à ce que la réponse convienne. Voilà, donc on va demander à l'utilisateur de choisir soit 1, soit 2, soit 3. Dès qu'un utilisateur a tapé les nombres, donc on a la réponse est juste. La réponse est juste. Oui, comme le programme. Sinon, il y a qu'un utilisateur à taper par exemple un nombre plus de 3 ou bien inférieur à 1, strictement inférieur à 1. Donc, là, la réponse est fausse. La réponse est fausse. Et on va demander de retaper encore une fois, un nombre compris entre 1 et 3. Voilà, donc tout simplement. Donc, la question qui se pose, on va demander à l'utilisateur de retaper un nombre entre 1 et 3 si l'utilisateur glate le Donc, le nombre d'itérations. Parce que l'utilisateur a déjà 5 fois, qui m'a déjà 6 fois, qui m'a déjà une seule fois. Donc, on a madame le nombre d'itérations, le nombre de automatiquement, on va utiliser la boucle soit tant que, soit répétée jusqu'à, et non pas la boucle pour. Donc, on a la boucle pour, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on ne peut pas savoir le nombre d'itérations à l'avance. Donc, on va résoudre cet algorithme, ou là, cet exercice par la boucle soit tant que, ou bien répéter jusqu'à. Donc la boucle pour, ça marche pas dans cet exercice. Voilà, donc on va commencer par la boucle. Donc voilà, algorithme par exemple compris 1 et 3 avec la boucle tant que. Super. Voilà. Donc voilà les variables. Quelles sont les variables? Les variables, non. Le nombre saisi par l'utilisateur, laissez-moi par exemple NBR. Par exemple. OK. Après, c'est le début. C'est le début. Et on va commencer la boucle tant que. Donc avant de trouver la boucle tant que, on va demander à l'utilisateur à partir d'écrire, donner un nombre. Tout simplement, donner un nombre. Voilà. Juste après, lire NBR. Donc, demander un nombre après lire NBR. Voilà. On a corrigé les guillemets. Super. Et la boucle. Donc, la boucle tant que voilà tant que l'utilisateur a tapé un nombre kharij le majal 1 3 kharij le majal 1 3 معناتها le NBR soit supérieur strictement supérieur à 3 ou bien c'est le ou bien NBR aqal min tamaman min 1. Donc, on a un diagramme entre parenthèses. Voilà. Et voilà. Il y a qu'un charge le majel. Faire. À chaque fois, il y a un charge le majel. Demandons maintenant une fois de retaper la valeur. La valeur MBR. Et je compte l'écriture de la SAHIA. OK. Par exemple, réponse. Qu'est-ce que vous par exemple? Réponse erronée. Allez, je réponse erronée parce que l'utilisateur a tapé dès le début une réponse kharij el majal. Là, donc, là, retaper. Dire par exemple la lame tajoub. Retaper un nombre entre 1 et 3. S'il vous plaît. Guillemets, voilà. Justement, c'est pas
ما نديروش فقط ميساج، وإنما نعطوه لا مام باش يعاود يكتب الان بيغ. سي بون، فان دونك فان قبل فان بيان سور. اللي كان ليتيليزاتور كاين حالتين دائما، اللي كان خارج المجال اون فوا دوموندي باش يعاود يريتابي ونعطوه لا مام باش يكتب، واللي كان ليتيليزاتور اتابي سوا ان سوا دو سوا تروا، سي با لا بان كاع ندخلو في هاد لا بوكل، اي جيستومون نديرو لها ان ميساج اذا كان الاجابه صحيحه ريبونس باغ اكزومبل برافو برافو فوز افي تابي تابي كوا اوكي نبدل كيمي نديرو فيغول اي ان بي ار افيشينا العدد اللي كتبها سواء 1 سواء 2 سواء 3 اي اي فان. دونك فوالا درنا كتبنا ان الغوريثم بلا بوكل طونكو بلا بوكل طونكو. دونك لو ميم الغوريثم غادي نديروه في لونغاج سي. فوالا دونك تو دابور اون فوا انيسياليزي اون فاريابل اسمها ان بي ار. اوكي دونك توجور برينت اف print f saisir un nombre. Vas-y, donc, par exemple, entre 1 et 3. Super. More print f scan f pourcentage d et virgule le e commercial nbr. Très bien. C'est bon, on a demandé un nombre entre 1 et 3 et atteindre la même chose. Maintenant, nous déroulons la boucle while. Voilà. Tant que le nombre MBR est à l'extérieur, c'est plus que 3. Ou bien le OU c'est 2 barres verticales. Voilà. Donc, on a un dirou toujours entre parenthèses. Super. Ou la deuxième condition, toujours, tu as un droit entre parenthèses, NBR, ASAR, TAMAMAN, MIL, WEHED. Il y a un charge majeur, donc début et fin, c'est-à-dire accolade ouvrante et accolade fermante, il y a un charge majeur. On va chercher un print F, voilà. Donc le message à l'exception. L'algorithme, CTRL C et CTRL V. Ok. On va chercher la tour la main, mais je vais dire lire. Ok. Lire, il y a scanf. Scanf. Scanf quoi? Toujours. Pourcentage D, virgule NBR. Donc, les quand la réponse est fausse, il y a un message ou une réponse erronée. Il y a un nombre entre 1 et 3, s'il vous plaît. Maintenant, on a la même chose. C'est bon, c'est bon. Voilà la fin. Donc, on a la négation. La négation, donc, il y a quand l'utilisateur il a saisi, par exemple, une bonne réponse entre soit 1, soit 2, soit 3. On va chercher un printf. Printf. Donc, le message est là. Bravo, vous avez tapé une bonne réponse. Là, vous avez tapé le nombre, par exemple, bravo, vous avez tapé pourcentage D, voilà, virgule NBR. On dit le point virgule, à la fin, c'est bon. Donc, je vais compiler. Voilà, il y a une erreur ici. Donc, tout simplement, on a la parenthèse, parenthèse mobilitaire, c'est bon, on a la parenthèse, c'est bon, et fin, c'est bon, compilé. Scan F, scan F, c'est bon, je compile encore une fois, et ça marche. Voilà, exécuté. Saisir un nombre entre 1 et 3, par exemple 5. Entrez, quelle est la réponse erronée? Retapez un nombre entre 1 et 3, s'il vous plaît. Par exemple, 7. Voilà, une erreur. C'est sûr, on est au niveau
لو سكان سكان هنا راني ناسي لو اي كوميرسيال سوبر فوالا انكور اون فوا كومبيلي اكزيكوتي سيزير ان نومبر انتر 1 اي 3 فوالا 5 réponse erronée retapez un nombre entre 1 et 3 s'il vous plaît 6 réponse erronée retapez entre 1 et 3 par exemple moins 8 entrée réponse erronée donc on a accepté gal adad li kharj el majal gal li toujours réponse erronée donc maintenant je vais saisir une réponse juste par exemple 3 on accepte 3 on dit entrée gal li bravo vous avez tapé 3 donc là je vais corriger juste quelques erreur, par exemple, ok, c'est bon, ça marche, ok, compiler et exécuter, 8, voilà, réponse erronée, vous tapez un nombre entre 1 et 3, s'il vous plaît, par exemple, moins 45, entrée, réponse toujours erronée, maintenant, je vais saisir, par exemple, 2, bravo, vous avez tapé 2. C'est bon.